La paire livre sterling US dollar. Les clôtures de position short entre Noël et jour de l'an ont fait remonter la paire. Oui, c'est ce que j'avais prévenu il y a donc la dernière fois qu'on s'est vu avant Noël. Bon, c'était quand même assez fort, hein. Donc on est revenu vers le haut du canal descendant qui avait été initié à la mi-2021. Alors comme pour l'eurodollar, c'est la même chose, hein. C'est les créations d'emplois, c'est évidemment souvent les chiffres américains qui sont le directeur, je dirais, hein, et l'éventuelle dislocation dans l'économie. Alors, quand on regarde, on s'approche de la droite de résistance du canal descendant, là, donc vers 1,36, et puis on aura 1,3561 d'abord à passer parce que c'est la moyenne mobile de 100 jours, ça compte quand même, hein. Côté support, on a 1,3430 comme premier support immédiat et on a 1,3320 comme support plus conséquent.